La maison Cornan a été créée en 1919 par mes grands-parents, originaires d'un petit village du sud de la France, dans les Alpilles. Ils sont montés à Saint-Étienne avec leurs enfants, qui, eux, faisaient partie de la deuxième génération, qui ont continué l'entreprise, puisqu'ils travaillent actuellement toujours avec moi. Et moi et mon cousin, nous avons repris l'entreprise en 2006 et avons continué la tradition familiale. Je m'appelle Luce Cornan, je suis gérante de la maison Cornan, qui est une fabrique de pâtes alimentaires et en sec et en frais sur Saint-Étienne et qui a également une épicerie fine. Nous en sommes donc à la troisième génération. C'est une entreprise purement familiale. Nous avons 4500 produits référencés dans notre magasin pour une clientèle locale, une clientèle nationale, puisque nous distribuons nos pâtes sur la France et internationale au Canada, Italie, Espagne et Allemagne. Alors, l'égalité homme-femme dans le milieu professionnel, on y tend de plus en plus, sauf qu'il y a quand même une majorité masculine dans les chefs d'entreprise. On a souvent peur que la femme doit gérer sa famille, doit gérer ses courses, doit gérer ses enfants, mais une femme est capable de faire plusieurs choses à la fois. La preuve en est, c'est que les femmes chefs d'entreprise réussissent. Alors la jeune fille qui se lance en tant que chef d'entreprise, je lui dis allez-y, allez-y, foncez, si vous avez envie, si vous êtes combative, si vous êtes compétitive, vivez l'aventure, c'est une belle aventure, accrochez-vous, mais allez-y.